très bonne question. Nous sommes le Necolite Orchestra, enfin en tout cas deux des membres du... 2 sur 18, une partie du groupe Necolite Orchestra, donc Neko Nico et Magic Jesse, donc batteur du groupe, pianiste et manager. Alors, nous sommes un groupe de musique spécialiste dans la réinterprétation des musiques des cultures de l'imaginaire. Et donc aujourd'hui, on vient présenter deux concerts dans la salle mythique de la Halle aux Grains à Toulouse, dont le concert effectivement des Échos de Poudlard, hommage au cinéma d'Harry Potter. Du coup, depuis 2011, mais on n'est pas tous arrivés au même moment. Et le concert Échos de Poudlard, lui, est né il y a 2 ans. Il a fêté ses 2 ans là, 2018, voilà. Alors ça veut dire, en fait, c'est mi-japonais, mi-anglais, mi... Le Neko, c'est le chat en japonais, le chaton. Donc c'est un petit orchestre de chaton. C'est un peu pour le côté kawaii, le côté geek, puisque l'orchestre est né d'abord pour jouer dans des conventions geek. Toulouse Game Show, Japan Expo, etc. Et c'est vrai que le nom tournait plutôt bien, ça sonnait bien à l'époque, et on l'a gardé, même maintenant dans les grands concerts de musique de film. Voilà, c'est le nom, c'est devenu l'identité du groupe. Dans pas mal de lieux totalement différents, le groupe a commencé donc en convention, comme disait Neko Nico. Après, il y a eu des salles de cinéma, pas mal de tournées en salles de cinéma, et de plus en plus, des SMAC, des entre guillemets vraies salles de concert, parce que le cinéma c'est génial, mais de base c'est quand même pas fait pour ça. Et là, la Halle aux Grains notamment, là, ça fait 2 ans qu'on a la chance de venir ici, et je pense que c'est pas fini. Oh bah c'était assez évident, c'est vrai qu'on n'a pas pensé au début, il y a 8 ans quand le groupe est né. On était parti d'abord sur du Miyazaki, Le Seigneur des Anneaux, etc. Puis un jour ça s'est imposé à nous qu'évidemment l'univers d'après qu'il fallait explorer c'était Harry Potter. On est tous fans des livres évidemment qu'on a lus, des films qu'on a vus. Et ça permet aussi, c'est un univers très varié musicalement. Il y a plusieurs compositeurs qui ont officié, dont John Williams évidemment, mais pas que. Nicholas Hopper, Alexandre Desplat, il y en a plusieurs. Et du coup, ça permet d'avoir un univers très varié et de faire un concert très varié avec différentes ambiances et de pouvoir partager ses émotions. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'à la base, ce concert était fait pour jouer une seule fois lors d'un festival. Et au final, il a été tellement demandé qu'on a continué à le travailler, à avancer, etc. Et c'est devenu un des concerts vraiment les plus demandés. Et on a découvert quelque chose. Moi, à ce point-là, c'est la fanbase, vraiment les Potterheads, vraiment qui, en France notamment. C'est assez hallucinant et comment est-ce que différentes générations se partagent ce concert. Il y a différents âges. Aujourd'hui, il y a 400 enfants qui vont venir parmi 2000 personnes et c'est assez incroyable comme transfert d'énergie sur Harry Potter. Il y a plusieurs concerts, plusieurs temps. Là, aujourd'hui, on va présenter des versions longues en plus pour la première fois et de Harry Potter et du concert Game of Thrones et Seigneur des Anneaux. Donc là, on est sur quasiment 2 heures de set, si je dis pas de bêtises. 1h30 pour Harry Potter, 1h40. 1h40, 1h50 sûrement pour l'autre. Et ensuite, je crois que le concert mini qu'on est, le plus petit, c'est 50-55 minutes, quelque chose comme ça, le Docteur Who sûrement. Entre 1h et 2h suivant les concerts. On vous attend, venez. Non, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est vrai que c'est pas un orchestre symphonique. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vous jouer les musiques que vous avez sur le CD ou dans le film. Alors, on vient faire d'autres versions, différentes. Il y a 14 musiciens sur scène. C'est pour amener des façons inédites d'amener la musique. Donc c'est une approche inédite. Donc c'est un voyage expérimental. Bon, pour l'instant, on vous rassure, tous ceux qui ont vu les concerts et qui sont fans d'Harry Potter sont toujours ravis à la fin, en tout cas ils nous le montrent comme ça, donc n'hésitez pas à faire l'expérience parce que c'est très complémentaire avec les grands concerts avec un orchestre symphonique, c'est vraiment autre chose, c'est une autre approche qui peut vraiment vous plaire, donc n'hésitez pas à venir et en famille parce que ça marche pour tous les âges quoi. Oui, du coup, en fait, on est parti évidemment des œuvres originales et après on aime beaucoup réarranger, donc on n'a pas écrit les mélodies initiales. Mais on modifie quand même pas mal et parfois on se permet quelques folies, mais on va pas spoiler le concert où on va un peu plus loin dans le réarrangement. Mais voilà, par contre, évidemment, comme c'est un concert hommage, on n'est pas compositeur de base, même si on ne se bride pas sur le fait de composer quelques lignes mélodiques ou même plus dans l'enceinte ou à l'intérieur d'un morceau. Le but, c'est que le public, si on est fan d'Harry Potter, par exemple, sur cet univers-là,
il faut qu'on s'y retrouve, il faut que l'émotion, les grands thèmes sont là, évidemment. Mais après, il faut qu'on puisse amener. C'est un voyage vraiment où on part du grand thème Edwige, par exemple, mais on l'amène un peu ailleurs, on le refait tourner et ça permet de faire découvrir des choses et de mettre en valeur aussi certaines musiques qui étaient dans les films mais qui sont passées un peu inaperçues et qui nous ont marqués. On rajoute même des fois des paroles. Aujourd'hui, il y a le thème entre Harry et Hermione, un petit peu caché entre les deux. On a rajouté une chanson par-dessus, on a écrit des paroles, quelques phrases, hein, pas beaucoup, mais sur ce thème très avec la harpe et les cordes. Donc on se permet quelques libertés comme ça, et c'est vrai que ça crée l'identité du groupe en fait, et de ces concerts-là, qui sont vraiment uniques. Il n'y a pas de partition sur scène, il n'y a pas de parole, tout est travaillé pendant, il faut 10 mois pour préparer un concert, comme Poudlard, et après on l'améliore, on le répète, mais à la fin, les musiciens vivent vraiment entre la musique et avec le public. Il y a un échange d'énergie qui fait que voilà, les gens ne s'y trompent pas et viennent nombreux pour ça. Et le bouche à oreille apparemment fait qu'on sait qu'il y a ce genre de moment qui se passe sur ces concerts-là. Donc nous, on est ravis de pouvoir les vivre avec eux dans des grandes salles, quoi. Alors, on a fait un CD de composition. Et par rapport à ces réinterprétations-là, il n'y a pas de Blu-ray ou de CD, mais par contre, il y a une clé USB qui peut se trouver uniquement à la fin des concerts, dans laquelle on retrouve des clips, etc. Et aussi des lives, des best-of de live, d'ailleurs qui ont été filmés dans cette salle il y a un an, et qui seront filmés encore ce soir. Donc pour que les gens puissent repartir avec un souvenir en vidéo, c'est possible. Alors déjà, c'est un orchestre rock. C'est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre, donc c'est pas philharmonique. En plus, il y a des fois des projections, pas tout le temps, parce que les images sont qu'illustratives. Ce soir, il n'y en a pas, parce que ça ne permettait pas dans la salle. Ensuite, il y a beaucoup de jeux de lumière, d'ambiance, etc. Mais voilà, c'est un concert malgré tout, quoi. Ouais, bonne question. Ce qui demande le plus de travail en général, c'est quand on prend le parti de vouloir faire un medley, je pense, sur notamment là ce soir, la surprise, c'est, on peut le dire, ce ne sera pas d'ici là publié, un medley sur l'univers des Animaux Fantastiques. Donc du coup, on reprend beaucoup de thèmes, c'est des morceaux qui sont assez longs, et c'est ce qui nous demande, je pense, voilà, ce genre de pièces, on peut les appeler même, le plus de travail, parce que voilà, 8 minutes, il faut faire des choix, choisir la longueur des thèmes, on ne peut pas tout garder, sinon ça durerait une demi-heure le medley, donc il faut faire des choix. On a monté notre propre boîte de production pour ça, donc c'est beaucoup de boulot déjà de faire ça. Et après, on a monté un festival qui s'appelle Échos et Merveilles. C'est aussi beaucoup de travail parce que c'est un festival qui grandit et qui nécessite beaucoup d'implication aussi. On a notre propre studio d'enregistrement qui débarque à Toulouse dans un mois, donc on va pouvoir ouvrir à d'autres groupes aussi, à la répétition, etc. Et ensuite, musicalement, il y a des fois des concerts ponctuels qu'on nous demande, on ne peut pas encore en parler, c'est des fois des one-shots pour certains événements. Mais le but pour l'instant, c'est de faire tourner tous ces concerts-là déjà un maximum et partout dans le monde. Donc, ouais. La plume de Poudlard, c'est très bien.